Salut Pinto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de rénover un des appartements d'Evergreen Armor. Donc vous voyez ici que c'est la version des appartements évolués, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une modification grâce à un plan de quartier et les appartements sont plus beaux, ils ont d'autres fenêtres avec de plus grandes ouvertures, alors que de base l'appartement est beaucoup moins éclairé vu que quand on arrive sur le jeu on a vraiment de mini fenêtres et c'est beaucoup moins sympa, l'extérieur aussi euh, de l'appartement est beaucoup moins cool. Ici on a un petit toit en herbe et tout, c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est juste pour expliquer pourquoi mon extérieur est différent. Du vôtre, si vous n'avez pas encore fait évoluer votre ville. Alors aujourd'hui, j'ai essayé un style un peu différent, hein, vous avez vu dans le titre, c'est un style un peu euh, bobo chic. <laughs> et il m'a d'ailleurs été inspiré par une créatrice que je suis en fait sur Insta. Et j'avais trop envie de faire ce genre d'appartement depuis qu'elle en avait proposé un, hein, que je trouvais vraiment fabuleux. Bah je sais pas si c'est une fille ou un garçon d'ailleurs. En tout cas, je vous fais apparaître son pseudo à l'écran, donc je vous conseille vraiment d'aller suivre cette personne sur Insta parce qu'elle fait des choses incroyables. Alors vous allez voir aussi que je vais utiliser euh, le mode Tool dans cette construction. Hein. C'est un mode en fait qui permet de bouger les objets comme on veut dans le sens qu'on veut, et c'est très pratique en construction, d'autant plus que notre construction après n'est absolument pas considérée comme ayant des CC, c'est vraiment pratique, et du coup on peut vraiment se créer de tout nouveaux objets grâce à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un énorme meuble TV dans mon salon, et j'ai également utilisé pas mal de peintures de la galerie, donc ce sont absolument pas des CC, hein, toutes les peintures que vous voyez, on peut les retrouver facilement sur la galerie. Je vous mets également l'identifiant de la personne chez qui je vais chercher toutes mes peintures sur la galerie. Comme ça, si vous voulez en télécharger, libre à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous téléchargez euh, mon appartement ici, vous aurez évidemment toutes les peintures que j'y ai placées hein, et vous aurez tous les meubles comme ils sont. Tant que vous n'oubliez pas d'activer le code BBMoveObject pour que tous les objets restent au bon endroit. Vous allez voir aussi à un moment donné dans les chambres, je vais créer de nouveaux bureaux avec des objets du débogage, des petites planches et j'ai également téléchargé d'autres créations avec le débogage d'autres joueurs, notamment un cadre de lit absolument dingue, que j'avais vraiment pas le courage de faire avec le mode tool, hein, parce que tout ça, ça se fait avec le mode tool, hein, pour, pour pouvoir déplacer tous ces objets très précisément pour en créer de nouveau, et euh, ça, cette tête de lit, je me voyais pas la refaire, mais du coup j'ai téléchargé la pièce du créateur ou de la créatrice, je me souviens plus, mais en tout cas je vous mettrai son nom à l'écran et dans la description et du coup, une fois que j'avais téléchargé sa pièce je l'ai installée dans mon appartement, et puis j'ai supprimé tout ce qui ne m'intéressait pas, et je N'ai gardé que le cadre de lit. Donc voilà, c'est pas un CC, mais ça y ressemble vachement, tellement c'est beau. <laughs> et donc, si vous téléchargez cette construction, vous l'aurez également. Je vous mets évidemment tous les noms des créateurs dont je vous ai parlé ici dans la description, comme ça, si vous voulez aller les rechercher sur la galerie, ce sera plus facile. Donc, dans cette vidéo, j'utilise le mode Tool et également une étagère rouge qui me permet de placer mes objets très précisément à la bonne hauteur. Si le mode tool et cette étagère vous intéressent, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur ces deux outils, je vous la mets ici dans le petit i si vous voulez aller la voir, il y a également tous les liens pour les télécharger. Et maintenant, on peut commencer notre petite histoire. Donc vous voyez ici que j'ai changé de place un foyer qui habitait déjà de base à Evergreen Arbor. Et il s'agit de Tina Tinker, une des amies de notre petite Gabi du Let's Play après toi. Parce que de base, en fait, Tina, sa femme et leur fille Olive habitent en fait dans une maison qui est très très laide d'Evergreen Arbor. <laughs> et du coup, j'avais envie de les changer de place, de leur offrir un bel appartement. Parce que vu qu'elles habitaient quand même dans une des maisons les plus chères de la ville, je me dis qu'elles avaient droit à un appartement... Euh... Un peu stylé, voilà. <laughs> Mais du coup, comment sont-elles arrivées à déménager une seconde fois Oui, parce que de base, elles habitaient bien dans cette maison et elles venaient seulement d'emménager. Alors pourquoi ont-elles déménagé tout d'un coup, si rapidement Eh ah ben, je vais expliquer ça avec ma petite histoire, bien sûr <laughs> Tina Tinker est indépendante et elle crée des objets. Actuellement, elle est vraiment connue pour ses sculptures de bois qui intéressent beaucoup de monde et qui se vendent très très bien, mais elle aimerait un peu étoffer sa gamme de produits et proposer d'autres choses pour élargir son art. Alors pour le moment, dans sa belle maison, elle est en train de se créer un four pour pouvoir cuire de la poterie. Voilà, oui, de la poterie. Bon, elle va pas vraiment faire de la poterie euh, avec euh, de la vaisselle ou tout ça, non, elle va essayer de faire des objets un peu particuliers, mais qu'elle va devoir cuire dans un grand four, d'où le fait qu'elle est en train d'aménager son atelier dans sa cave pour y ajouter ce fameux four. Yasmine, sa femme, elle, elle est auteur. Du coup, elle est souvent à la maison et elle a beaucoup l'occasion de s'occuper de leur fille Olive. Mais voilà, le problème, c'est que même si Tina a aussi tendance à beaucoup rester à la maison pour travailler dans son atelier, eh ben, elle travaille beaucoup beaucoup trop même. Et c'est d'ailleurs ce que Yasmine va finir par lui reprocher, puisque maintenant qu'elle a un atelier dans sa maison, eh bien Yasmine et Olive ont l'impression de l'avoir beaucoup moins qu'avant. Bah oui mais parce que le souci c'est qu'en ayant son atelier chez elle, Tina n'arrive pas à s'arrêter. Tout est au même endroit et elle n'arrive pas à faire la part des choses entre sa vie privée. Et son boulot. D'autant plus que, en tant qu'indépendante, elle a toujours peur que tout s'arrête du jour au lendemain, que sa petite affaire ne fonctionne plus, que son art n'intéresse plus, et du coup, elle ne se prend jamais de congé, parce que quand un indépendant prend un congé, et eh ben y a plus de rentrée Et ça la stresse Mais Yasmin en a quand même marre d'avoir l'impression de vivre seule dans cette maison avec sa fille. Et maintenant, évidemment, il y a quelques tensions dans le couple. Quand Tina a fini de travailler, eh ben elle passe quand même encore une heure ou deux après, a emballé tous ses produits pour les envoyer aux acheteurs. Elle emballe ses sculptures dans de jolies petites boîtes en bois, remplies de paille pour bien protéger ses sculptures. Mais tout ça, ça lui prend quand même du temps. Et Yasmine en a marre. Il faut que les choses changent. Et elle a surtout besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Toujours très inquiétant hein, quand quelqu'un que vous aimez et avec qui vous vivez demande d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Ne lui laissez pas le temps de réfléchir. <laughs> Alors Tina a récemment rencontré Gaby et euh, elle sent qu'il y a un bon feeling. Du coup, elle aime bien aller parler avec elle, parler de ses problèmes de couple et puis entendre parler de la vie amoureuse de Gabi qui est euh, peut-être pire que la sienne. Hein. Et au final, ça rassure un petit peu Tina de se dire que sa vie est peut-être un petit peu compliquée en ce moment, mais pas aussi foireuse que celle de Gaby. <laughs> Évidemment, elle ne se permet pas de le lui dire. Hein, bien sûr. Mais elle le pense très fort <laughs> Pour en revenir à Yasmine qui a besoin de prendre un peu de temps pour elle, eh ben elle va profiter d'une dédicace d'un de ses livres pour quitter la maison quelques jours. D'ailleurs elle va emmener Olive, Olive qui est très très fan de ce genre d'événement, elle a l'impression que sa mère est une star et elle adore ça. <laughs> et Tina, elle, elle va rester à la maison pour travailler dans son atelier, et elle a très bien compris que Yasmine la mettait un petit peu au défi. Donc, puisque Yasmine et Olive partent trois jours, Tina a décidé de travailler à fond pendant ces trois jours pour pouvoir se prendre une semaine entière de congé et ainsi profiter de sa famille alors elle travaille comme une forcenée et les deux premiers jours franchement elle n'a jamais été aussi productive de sa vie elle prend beaucoup d'avance et elle est très satisfaite d'elle et puis arrive le troisième jour à force d'autant travailler tina en oublie presque de manger alors le troisième jour hein, après avoir travaillé presque toute la nuit elle décide d'aller se faire un petit sandwich dans la cuisine un peu de fromage un peu de salade un peu de tomate un peu de mayonnaise faisons-nous plaisir voyons un bon gros verre d'eau et la voilà, fin prête à se poser quelques minutes dans son salon. Son sandwich est tellement gros que commence à en mettre un peu partout, semant des miettes de sa cuisine jusqu'à son salon. <laughs> bon, c'est vrai que niveau propreté, Tina est un petit peu plus tolérante à la saleté que Yasmine. Et puisque Yasmine n'est pas là, elle en profite, hein. Alors elle s'installe dans son fauteuil, commence à manger, et puis elle entend un bruit. Elle regarde vers la cuisine, et qu'elle ne fut pas sa stupeur de voir qu'il y avait quelqu'un. C'était un grand homme tout maigre, au regard un peu vitreux. Ont déjà d'aspect, il inspire pas confiance. Mais en plus, quand il est chez toi alors que tu l'y as pas invité, il y a de quoi paniquer. Aortina pose doucement son assiette et se lève. L'homme n'a pas bougé, mais elle personnellement, elle ne sait pas encore vraiment quoi faire. Il y a deux solutions qui s'offrent à elle fuir ou combattre. Bon, même s'il y en a une troisième qu'on a tendance à oublier et qui est la paralysie en cas de peur. En fait, notre corps a tendance à nous paralyser quand on est coincé, bloqué et qu'il n'y a pas d'autre issue à part faire le mort. Mais à côté d'elle, il y a deux fenêtres et la porte qui mène à son atelier dans la cave. Elle est plus proche de la porte. Il lui a fallu qu'une fraction de seconde, mais elle sait qu'elle va fuir et s'enfermer dans sa cave. Et c'est à ce moment-là que l'homme fait un geste. Juste un petit mouvement de la tête. Il met sa tête sur le côté. Comme un chien qui se demande ce qui se passe, et qui est attentif. Le cœur de Tina pompe à grande vitesse. Elle a les yeux ébahis, la bouche légèrement entrouverte, prête à crier, tout en sachant que dès qu'elle aura fait un geste, les choses vont se précipiter. Et là, elle entend l'homme marmonner. Elle comprend pas ce qu'il dit au début, et finalement, elle décrypte ses marmonnements. Il dit, et le petit pousset a mis ses miettes par terre pour retrouver son chemin. Alors Tina regarde par terre et voit effectivement toutes les miettes de son sandwich qui vont de la cuisine à son salon. Ok, ce mec est définitivement très bizarre. Et là, elle se jette vers la porte de sa cave, l'ouvre à la volée, tout en entendant le gars se précipiter dans sa direction. Elle essaye de pas paniquer, de fermer la porte avant qu'il arrive à, à sa hauteur. Mais elle n'y arrive pas. L'homme ouvre la porte à la volée alors qu'elle s'était cachée derrière, et elle tombe en arrière dans les escaliers. Elle est à peine arrivée en bas qu'elle se relève, comme si de rien n'était. Merci l'adrénaline. Et elle court vers le petit placard dans son atelier. Là, elle arrive de justesse à s'y enfermer, quand l'homme s'empare de la poignée. C'est bon. Il hurle derrière la porte, en rage de ne pas avoir réussi à la rattraper. Tina, elle, évidemment, elle est en âge. Elle s'est mise à pleurer sans s'en rendre compte. Elle arrive pas à réfléchir tellement elle panique et les hurlements de l'autre côté de la porte ben ça ne l'aide pas plus à se concentrer. Elle est dans son petit placard, entourée de dizaines de sculptures de bois. Elle a très peu d'espace et pas de téléphone à côté d'elle pour appeler la police. Elle hurle en appelant à l'aide, mais évidemment en étant dans la cave, il y a très peu de chances que quelqu'un l'entende. Et puis l'homme derrière la porte se remet à marmonner. Elle plaque son oreille contre la porte pour essayer de l'entendre. Qu'est-ce qu'il raconte Il dit ceci. C'est l'histoire de trois petits cochons. Ils devaient quitter leur maman parce que la maman était trop pauvre pour les nourrir. Alors ils devaient partir construire leur maison pour se protéger du grand méchant loup. Le premier construisit sa maison en paille. Tina se jeta en arrière dans le placard quand elle entendit des grattements sur le bas de sa porte. Qu'est-ce que c'était? L'homme, avec sa petite voix presque enfantine, extrêmement flippante, faisait glisser de la paille en dessous de sa porte. Puis il reprit. Le deuxième petit cochon construisit sa maison en bois. Et là, Tina fit un saut quand l'homme envoya des statuettes sur la porte. Il en envoya plusieurs dans un bruit atroce qui résonnait à pleine puissance dans le placard. Tina s'accroupit de plus en plus paniquée. Et l'homme reprit. Et le troisième petit cochon préféra la brique pour construire sa maison. Et là, ce furent les briques de son nouveau four pour sa poterie qui explosèrent sur la porte. Tina pleurait de plus en plus fort, terrorisée par la folie de l'homme. D'ailleurs, il reprit. Le Loup arriva devant la première maison et demanda au petit cochon de lui ouvrir. Le petit cochon refusa. Et le Loup souffla si fort sur sa maison qu'elle s'envola. La paille qu'elle utilisait pour protéger ses statues s'envola alors vers elle quand l'homme souffla en dessous de la porte. Mais les trois petits cochons étaient malins. Et même si le Loup arriva à détruire la maison du premier petit cochon en paille et du deuxième petit cochon en bois, il n'arrivait pas à passer cette porte. Et l'homme se jeta sur la porte du placard. Il s'y jeta si fort que l'encadrement craqua. Mais il ne lâcha pas. Tina n'en pouvait plus. Elle pleurait, gémissait. Elle savait pas quoi faire. Et l'homme reprit. Mais le loup avait d'autres idées. Il rajouta encore de la paille en dessous de la porte du placard. Et puis Tina entendit un cliquetis. Si le loup ne peut pas détruire la porte, alors il peut la faire brûler. Les petits clics qu'elle entendait, c'était un briquet. Elle regarda son placard, entouré de statuettes en bois, la paille en bas de la porte, et l'addition des deux, était franchement pas bonne. Alors elle se leva et déverrouilla d'un coup sec la porte, en bourrant dedans de toutes ses forces. L'homme était accroupi derrière avec son briquet, et y reçut la porte en plein dans la figure. Elle prit même pas la peine de regarder derrière elle, et elle se jeta dans les escaliers pour remonter au rez-de-chaussée. Et cette fois-ci, elle eut le temps de fermer la porte derrière elle. Elle se jeta sur son téléphone et appela les secours, et tout en appelant, elle se précipita évidemment chez ses voisins pour se mettre en sécurité, la police débarqua quelques minutes plus tard, et ils ressortirent avec l'homme menotté. Et ils l'avaient à peine installé dans la voiture de police, qu'une camionnette s'arrêta devant eux. Deux personnes en blouse blanche en descendirent et récupérèrent l'homme menotté. Évidemment, Tina se demandait ce qui se passait. Et là, un petit monsieur bien habillé vint à sa rencontre. Il lui prit la main et la serra fermement, en s'excusant. Ah. Madame, je suis désolée que vous ayez eu si peur. Thomas est l'un de nos résidents permanents et il s'est échappé de notre asile. Je suis désolée que vous ayez vécu ça, mais en général, il n'est pas vraiment dangereux, mais il a envie de jouer avec les gens. Vous savez, dans sa tête, c'est encore un enfant, mais je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Ils parlèrent un petit moment de Thomas et de la plainte que Tina allait ou non déposer. Finalement, bon bah, elle comprit bien que c'était pas vraiment la faute de Thomas, qu'il avait un petit problème et que ça ne servirait à rien de l'envoyer en prison. Le mieux était qu'il continue à être soigné. Pour autant, il était absolument hors de question que Tina reste dans cette maison. Donc, elle, Yasmine et Olive déménagèrent dans un appartement où oui, c'est vrai, il n'y avait plus d'atelier pour elles, mais au moins, elles travaillaient dans un atelier entouré d'autres personnes pour se protéger les uns des autres. <laughs> bah elle est un petit peu traumatisée, c'est normal. On peut le comprendre. Et voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours m'aider gratuitement en allant sur Utip. E le lien est dans la description. N'hésitez pas également à me suivre sur Insta. Je suis très active là-bas et surtout, je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous